J'ai envie d'aller manger, regardez ce qu'il fait. Du coup, la journée a commencé avec deux zombies. Moi, j'ai fait une nuit blanche, lui, il a dormi 3-4 heures. Je me suis endormi à 7 heures et je me suis réveillé à 11 heures. En fait, pour ceux qui ont regardé le vlog de la semaine dernière, bah, c'est là que ça commence. Là. Et je suis fatigué. On commence à raconter n'importe quoi. On peut pas mettre tout ce qu'il a dit, mais. Je suis fatigué. On commence à devenir fou. J'ai failli me venir 3 fois dans le. Et j'arrive même plus à parler, frère. J'ai faim, vu où on mangeait. Moi, si on dort maintenant, c'est fini. 5 minutes. Si on dort maintenant, on va se réveiller à 23h. 2 minutes, on dort. 1 minute. 1 minute. Non, on va sortir et on va faire des trucs. On est en train de chercher nos déguisements pour Halloween. T'as fait quoi? Tu me fais pas de mal, s'il te plaît. Oh, il pèle partout, il va un truc de... Est-ce qu'on se déguiserait pas en petite écolière emo? Mais on hésite un peu. Moi, je vais elle, Yandere Simulator. Genre en mode Sakura, genre. On est tous les trois en Sakura. J'ai toujours voulu mettre une robe. Guettez les perles de fou, je suis chaud-barre de baiser. 400 euros. Du coup, voir un peu la paire que t'as acheté. Oh, celle-là. De base, moi je voulais celle-là. Mais y a pas ma taille. Mais du coup, y a pas les plaques. Mais du coup, il va les rajouter. Tu prends la plaque comme ça. Et il va la visser. Un peu à atelier DIY, tu vois. Mais frère, avec ça, je vais faire 3 mètres. Ça change tout la plaque. Ah, j'écrase la tête de quelqu'un avec ça là. Il y a quelqu'un qui marche sur mon pied, c'est lui qui se fait mal carrément. Oui. Oh non, c'est pas là. Les gars, comme on vous a dit, on a toujours pas dormi en fait. Enfin, lui il a dormi tout à l'heure, moi j'ai toujours pas dormi. Là, je suis toujours sur une nuit blanche de fou là. Je sais même pas comment je suis encore debout. Il a sprinté 3 fois, il est déjà mort. Vu de mon âge. Aujourd'hui, c'est Coros Vinted. J'ai trié plein d'habits à moi parce que j'ai trop d'habits chez moi et je suis en train de les donner. Tu trouves ton bonheur? Ça va. Je suis content que je t'ai rencontré dans la rue, j'avais besoin de ça. C'est vraiment un clochard. Je viens de trimballer avec tout ça là, c'est lourd. Bah, c'est ça qui doit peser facile, 20-25 kilos, je sais pas. Oh trop... Eh ben dis donc. C'est intéressant ça, hein. Ça c'est gratuit les gars, j'arrive pas. Gratuit. Free pass, 0€ les gars. Il y a des trucs encore avec les étiquettes. En fait, quand je faisais le ménage chez moi hier, j'étais là, moi j'ai trop d'habits. En fait, je pourrais les vendre sur Vinted, mais j'ai la flemme, faire des colliers et tout, c'est chiant. Ah ouais, tu le portes bien. En vrai, genre, j'arrive à imaginer un truc. Là, vous voyez pas, mais moi dans la tête, je vois un truc. Free pass 0€ les amis, ça c'est pour Auron. Ah ouais. Oh. Là, je vous explique, Auron, ça fait genre 2 heures qu'il est en train de chercher un outfit. Gars, mon caleçon calvité. Il se change toutes les 2 secondes, j'en peux plus. Moi, je suis prêt, tu vois. Oh. Tu l'as vu? Wouah. Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai enlevé ses pattes. Ah. Non, il marche plus. Mais il est mort. Mais gros, t'as encore changé de veste. Il y a 2 secondes, il avait celle-là. Puis avant, il avait celle-là. Avant, il avait ce jean. Je regarde juste. Frère. Je regarde juste. Mais il a une autre veste. Je vous jure que ça a pas de fin. Après, je me dis, si je dois faire une vidéo où je cours. Red Bull, tu vois. Réponse à l'outfit de Auron. Maintenant. Ça valait le coup d'atteindre 3 heures ou pas? Franchement, ça valait pas trop le coup, hein. Ah, mais regarde avec cette veste. Attends, il parle de mon outfit tête de ma mère. Monte-toi un petit un peu. Mimi, la vie est trop dure. Oh là là. C'est une gueule, hein. Bah, c'est 2 ans de différent, quoi. Moi, c'est, cette phrase, mais c'est 2 ans, quoi. Voilà. Pourquoi tu bégayes quand tu parles? Parce que j'ai un truc dans la bouche. Toi, tu connais avoir des trucs dans la bouche. Et on va mieux depuis qu'il y a du sucre, là. Je revis la main. Dites bonjour à mon vlog. Say hello to my vlog. Ça veut dire quoi, Coros? Ça veut dire tuer. Parce que je me suis fait harceler pendant 1 an pour que je reprenne les vlogs. Pour quand je reprenne, il y a moins de gens qui regardent. Parce que moi, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai passé genre plus de 10 heures sur chaque vlog, s'il te plaît, allez regarder. Il pleut. Mais si on commande là, y'a pas de Uber Eats. Moi j'ai déjà commandé, ils sont arrivés sous la pluie. La dernière fois que j'ai commandé qu'il pleuvait comme ça, ça a mis 1 heure à venir. Mais moi la dernière fois que j'ai commandé, ça a marché. Hein. Non, là du coup on voulait faire des trucs, on voulait sortir, faire des choses, mais il pleut. C'est moi tous mes skins. Ah, ah ouais, trop bien. Oh, c'est moi celui-là. Oh. Vas-y, montre ton meilleur skin là. Ça c'est les skins ultimes, c'est les skins les plus rares, qui coûtent super cher. Il y a des animations et tout. Ouais. Après un autre skin ultime, j'ai elle. Oh. Comment je m'en bats les couilles, gros. Oh, regarde-moi ça. Elle est bonne. Elle est très bonne.
Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Vous mettez dans les commentaires. Aujourd'hui j'ai mangé, c'était trop bon. J'ai besoin de commentaires les gars, s'il vous plaît. Après en version sans. Attendez, je vous reprends. À votre avis, pourquoi il est soufflé? Pourquoi il est soufflé à votre avis? Moi j'ai couru comme d'hab. Eh, tu serais pas le mec qui court là? Moi je cours pour les darons. Et les gothiques. Est-ce qu'on a le droit de blaguer sur n'importe quel sujet du moment que c'est apporté d'une manière marrante? En fait, moi je pars du principe que si c'est plus drôle que c'est négatif, c'est bon. Après, c'est ta vidéo hein. Moi je suis pas associé à ça, les gars. C'est pas parce que je cours au début de la vidéo que je suis dedans. Eh, hey, je m'en bats les reins. Eh, hey, les réseaux, c'est quoi? C'est le seul moyen que t'as gagné de l'argent, c'est tout. Les réseaux, je m'en bats les. Tiens, j'ai menti, pardon. Là, on a un défilé Skechers. Au moins, il va défiler. Et c'est tout. Bah, il y aura pas Ati. Ah, si, il y a Ati aussi qui défile. Skechers. Je me demande comment il va défiler. Au moins, il m'a dit, il s'est même pas entraîné. Genre. Ah ouais? Je vais vous montrer la démarche d'un mannequin. C'était la démarche professionnelle d'un mannequin. Une fois que je suis rentré dans le défilé, je suis passé en mode professionnel, hein, tu connais. Ça, c'est moi qu'on voit dans le reflet de la scène. Là, on peut voir que Ati, elle est très à l'aise sur une scène, elle fait coucou même. Là, il y a Auron qui passe en mode Dark Sasuke, hein, tu connais. Ati, est-ce qu'on regarde la caméra comme ça pendant un défilé? Non. Regardez les pieds d'Auron. Ati qui danse, elle est vraiment très à l'aise. Un peu trop à l'aise, peut-être, je sais pas, mais c'est cool. On est chez moi ici. On n'entend rien, je pense, mais. Ah, c'est pas grave. Achète-toi un micro, putain. Tu sors quand tes vlogs, Ati? Moi, c'est fini, hein. Pourquoi? On est avec le mannequin professionnel. Comment tu te sens? Je décompresse un peu, j'étais un peu stressé. Je le laissais pas paraître. Et là, je suis content, il y a les copains qui sont venus me voir. Donc, bien content là. On va finir à la bière. Non, on regarde le match. Posé. Vous allez penser avec mes vlogs que je mange comme un porc tout le temps. Alors qu'en vrai, Oui, en vrai, oui. Pour les Milanais, la supériorité là est longue. Léao, il est bon. Travailler et réussir à éliminer Achraf Hakimi, le centre de Léao. Sur Giroud, il met un coup franc contre nous, je me jette par la fenêtre. Il y a un truc que je déteste, c'est vraiment être en retard. Genre là, j'ai genre 15 minutes de retard pour aller au coiffeur. Je fais toujours au max pour toujours être à l'heure. En vrai, 15 minutes de retard, ça va. Mais je déteste être en retard. Du coup, je suis passé chez mon coiffeur où tu peux trouver des sièges massants. Quoi de mieux pour se détendre? Franchement, je vous conseille d'y aller. L'accueil est incroyable, le service aussi. Bref, tout ce dont j'avais besoin pour me détendre dans ma vie très active de chômeur. Je vous mets l'adresse juste ici. Alors, on se retrouve avec l'influenceur du coin. Voilà, il fait des stories Instagram. Hein. Vas-y, je vois comment ça va. Ça fait quoi d'être un influenceur nul? Je te baise. Qu'est-ce qu'on rigole? Hey, je t'ai vu en train de te foutre de ma gueule dans ton coin, j'ai rigolé. C'est bon, j'arrête de regarder. Dans mon coin de l'œil, je vois un mec qui se tient tout droit comme ça en train de regarder. Ah, les gars, est-ce que je sais bien faire la vague? Aujourd'hui, on est parti à la quête de nos déguisements de Halloween. On sait pas trop quoi faire encore, mais on cherche. T'es dans ton élément là. T'as pas besoin de te déguiser, toi. Montre. Avec le collier. Ouais. Manque plus que la perruque. Et en dessous, tu comptes mettre quoi? En pantalon. Avec tous mes bracelets. Oui. La perruque. Tu veux pas mettre les bracelets pour voir? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fuis là? Hein? Pourquoi tu fuis là? Tu vas me payer combien là? 110. Hein? 110. Hein? Tu vas payer combien là? Combien? C'est monté beaucoup plus vite que ce que je pensais. Tu peux avoir un geste commercial? Oui, moins 2 euros. Il m'a enlevé 6 balles. Je suis arrivé à la caisse, il m'a dit 112. J'ai fait ah ouais, c'est pas possible de faire un petit geste commercial. Il a fait 106. Il a vraiment enlevé 6 euros. J'ai fait vas-y par carte. En plus, ce que t'as acheté. Et en plus, faut compter la perruque que j'ai acheté la dernière fois. Qui m'avait coûté 25 balles. Mec, il coûte combien là en tout ton déguisement? 130, 40. Hein. Après, est-ce que ça compte dans le déguisement ça? Non, c'est juste comment je m'habille. Mais t'es pas déguisé là? Mais t'es déguisé en gothique là, non? T'es pas mon style? On va faire backstage de la vidéo où on court. On court pourquoi déjà cette fois? Quoi? Vas-y. Quoi? Merde, j'ai trop. Tu peux y aller. Vas-y. Reviens. Je crois que j'ai raté. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine.